Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour, bienvenue. On a déjà quelques personnes. France Diamond, Oui, bonjour, 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 bonjour. bonjour. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à notre dernière conférence. Ouais, sixième et dernière, Sixième et quand dernière, même, hein? ouais. Aujourd'hui, on vous parle en direct du Grand Cru à Magog. On est chanceux, on est sur l'eau, il fait beau, il fait chaud. Ça va être une belle journée, une belle avant-midi avec vous. Donc, je me présente, je m'appelle Marc-André. Moi, je m'appelle Pénélope. Donc, pour les nouveaux, ben, bienvenue. Pour les anciens, merci encore d'être là. Merci d'avoir été fidèles Au poste. durant tout ce temps-là. Aujourd'hui, on vous parle de Terre-Neuve, Mais notre oui. dernière conférence, magnifique destination avec des beaux invités. Ça va être super intéressant, Ouais, ça on va a être un le matin fun. chargé. Ouais, matin très très chargé, contrairement à c'est Totalement toujours chargé, chargé. mais aujourd'hui là, C'est la dernière, on y c'est la va en dernière, on grand. y va en grand, exactement. Beaucoup de surprises, beaucoup d'émotions fortes avec Terre-Neuve. On est même en live sur Facebook, alors bonjour à ceux Ouais, qui sont sur bonjour à ceux qui Facebook, sont sur pour ceux qui Facebook. sont là. Donc, mon Dieu, on est déjà une quinzaine. Bonjour à tous, bon Bonjour, matin, merci bonjour. d'être là. Écoutez, comme on vous dit, on vous parle en direct du Grand Cru aujourd'hui. Ils ont été Très très, très généreux. généreux, très gentils de nous accueillir. C'est magnifique, honnêtement. Ils ont fait des belles rénovations, des nouvelles banquettes, nouvelles fenêtres. Ils Écoute, sont prêts pour la ils sont distanciation à prêts pour leur la retour. distanciation. On a vraiment hâte de venir faire un petit tour à bord du bateau pour manger un bon repas. On a des dates, on va vous en parler tantôt. Ouais. Mais le 5 juin, eux, si jamais. En tout cas, Si jamais ça vous vous tente êtes d'y trop aller. pressés. Le 5 juin, ils vont être prêts à réouvrir. Moi, je dirais qu'ils sont déjà pas mal prêts, d'après moi, parce que C'est assez beau. c'est assez beau. C'est très, très beau. Là, on ne voit pas dehors parce qu'il fait trop beau. On est à Ouais. contre-jour, mais il y a l'eau super belle avec les vagues, les voiliers, là, c'est magnifique. Donc, on est vraiment très chanceux d'être là. Puis, si vous avez, c'est ça, comme Marc-André dit, trop hâte de venir, bien, eux, ils ouvrent le 5 juin avec des belles mesures de distanciation. Vous allez pouvoir, même si vous êtes en groupe et tout ça, vous asseoir deux par table pour une ambiance plus intime et tout ça, pour pratiquer la distanciation. Donc, pour les couples, ça peut être très romantique. Vraiment, Ouais, donc, vraiment. merci à eux de nous accueillir ce matin. On est super chanceux. Merci beaucoup. Écoutez, commencez à nous écrire, voir hein, Ben oui, on veut voir qui est là. si tout fonctionne bien de votre côté, de notre côté aussi, voir si toute la technique fonctionne bien. Écrivez-nous, hein, comme d'habitude, pour les membres de la FADOC, Vous êtes où ce si matin? vous êtes tous ce matin, dans quelle région, si vous êtes déjà venu sur le Grand Cru, Ben oui. vous pouvez nous écrire, partager un peu votre expérience avec nous. Ça nous ferait plaisir de vous lire. Ouais. Puis, s'il fait aussi beau dans votre coin qu'il fait beau sur le même frais, avec le soleil qui reflète sur le lac, là, C'est c'est magnifique. magnifique. Ouais. Le vent frais. Donc, on a Madeleine Dumont, toujours à l'affût. Merci de votre fidélité, Madame Dumont. France Diamond, bonjour à vous. Toujours là aussi, on la voit toujours. Merci d'être là. On va attendre encore quelques petites minutes avant de commencer, Ouais. puisqu'on est d'avance Il y a encore et pour quelques que les gens se participants connectent. ouais, qui sont en train de se connecter. Je vous le rappelle, hein, comme d'habitude, éteignez tous vos appareils qui sont sur le même réseau pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférences. Vous pouvez nous écrire aussi si on bug, là, s'il y a quelques petits problèmes. Gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de vous aider à arranger ça. Et puis, si la connexion lâche ou qu'il y a un problème, faites-vous-en pas. Comme toujours, les conférences sont enregistrées Et envoyé et avec envoyé l'infolettre. avec l'infolettre. Donc, si vous n'êtes pas abonné à l'infolettre d'Expression Voyage, Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? On On s'abonne. s'abonne. Vous pouvez aller sur le site expressionvoyage.com. C'est super facile. Vous vous inscrivez, puis on va vous envoyer ça. En plus de la conférence, ben, vous allez recevoir toutes nos nouveautés. Vous allez recevoir des liens pour nos brochures. Vous allez recevoir Des les promotions. promotions. Plein, 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 plein de belles surprises. On a Donc, des beaux messages. Madame Anna, merci. Tout est beau. Je suis à Davluville. Mon Dieu, je pense que je le prononce difficilement. Davluville. Bon, écoutez, si je l'ai débaptisé, je m'en excuse. Le soleil brille, donc on est vraiment content. Et Madame Comeau nous demande, on est sur le Grand Cru, en effet. Donc, c'est là qu'on est sur le bateau ce matin. Ils nous ont accueillis très gentiment à Magog. Donc, on est en Estrie, on est là. Madame Leblanc de Sherbrooke, le Grand Cru, c'est une très belle Ouais, excursion, en vraiment. effet. Moi, je l'ai déjà Puis, fait, c'est extraordinaire. si vous êtes déjà venu, vous allez être surpris parce qu'ils ont fait vraiment des très, très belles rénovations pour ceux qui Les n'étaient pas là banquettes au début, sont là. écœurantes. Magnifique. Ils sont prêts pour la réouverture. Le 5 juin, eux,
ils vont être sur les eaux Magog. À Magog. Donc, on a très, très hâte là, de venir faire un tour à bord et de manger un bon repas en leur compagnie. Ça va on être super. On a hâte d'être sur l'eau, en effet, Madame Dumont. Ouais, vraiment. Madame Como à Waterloo, pas très loin, en effet. Donc, on vous dit bonjour. Donc, je pense qu'on va commencer parce qu'il est 10 heures et on a déjà une trentaine de personnes. Donc, on y va? Ben parfait. En route vers le monde. En route vers le monde. Alors, rebonjour, rebonjour tout le monde. Bienvenue à notre sixième et dernière conférence voyage virtuelle. On est en direct du Grand Cru à Magog. On est très content que vous soyez avec nous ce matin. Encore un bon nombre de personnes. Merci beaucoup pour les anciens, pour les nouveaux. Je me représente, je m'appelle Marc-André. Puis moi, c'est Pénélope et c'est encore nous, les animateurs les de animateurs. Ces merveilleuses conférences virtuelles. Donc, au programme aujourd'hui, comme on disait, on a un programme très chargé. On va recevoir Mme Sylvie Roberge, hein, comme à l'habitude, responsable de la FADOC Centre du Québec. M. Philippe Tessier, cette semaine, qui est président d'Expression Voyage, qui va venir nous dire un petit mot. Mademoiselle Aurore Lambert, qui va nous présenter les incontournables de Terre-Neuve. Et notre vedette habituelle, Normand Verdon, guide accompagnateur chevronné d'Expression Voyage, qui va venir compléter le tout, là, vraiment nous mettre l'eau à la bouche. Ouais, c'est ça. On aime ça. On l'invite tout le temps. Il est bon, il est le fun. Fait que, on l'aime. Donc, tout d'abord, on aimerait inviter Mme Roberge à prendre la parole et à venir nous dire un petit mot pour la dernière fois de la saison. Bonjour, Madame Roberge. Comment allez-vous? Oui, bonjour, Pénélope, bonjour, Marc-André. Mais quel plaisir de s'en aller vers le mois de juin avec Terre-Neuve, Labrador, les grands bateaux, le Grand Cru. Écoute, c'est une effervescence qui fait du bien, hein, je pense qu'on peut se le dire aussi. La FADOC Centre du Québec est très, très, très heureuse d'être de cette belle équipe d'Expression Voyage. On les choisit, nos partenaires. Alors, ça aussi, ça fait partie du bonheur que l'on a d'être membre FADOC, d'avoir avec nous comme membre FADOC ou comme visiteur ou comme futur membre FADOC, des partenaires qui nous amènent vers l'aventure. Parce que partir, c'est ça, hein, c'est vivre l'aventure, c'est découvrir autrement. Alors, Terre-Neuve, Labrador, pour ma part, je l'ai déjà fait. C'est une tournée extraordinaire. Ne manquez pas ce rendez-vous. Alors, nous, on est là. On veut offrir à nos membres FADOC la possibilité aussi de découvrir ces belles choses-là. Et là, on s'en va vers le meilleur avec le déconfinement. Alors, allez-y. Bon voyage. Merci. Merci beaucoup, Mme Roberge. Merci. Donc, encore une fois, on vous invite, hein, si vous n'êtes pas encore membre de la FADOC, d'aller vous inscrire parce que c'est vraiment, vous avez des promotions sur tout. Pas juste avec nous, en étant membre de la FADOC, ça vaut vraiment la peine. Mais vous allez aussi avoir des promotions exclusives aux membres de la FADOC qui vont vous être présentées à la fin de la conférence encore. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite, prenez le temps d'écouter la conférence, mais après... Allez vous inscrire, vous allez voir, ça vaut la peine. C'est un rendez-vous. Maintenant, on aimerait inviter notre invité spécial pour la première fois de la saison, notre président, M. Philippe Tessier, à venir nous dire un petit mot avant qu'on commence pour résumer toutes ces belles conférences. Salut Philippe! Hey, allô! Bien? Allô? Oui, ça va super bien, merci. Écoute, c'est le fun de vous voir sur le bateau. C'est génial. Au lieu de vous voir assis dans un petit bureau, là, ça bouge un peu plus, ça, mais j'aimerais en profiter pour remercier la FADOC du Centre du Québec et Mme Sylvie Roberge pour tout l'appui pour ces conférences-là. Et c'est génial. Au début, on ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait. Finalement, les gens ont embarqué, on a plutôt une bonne participation, ça fait que c'est vraiment très, très bien. Je dois aussi ne pas oublier Sophie Tessier qui a préparé l'organisation de tout ça. Merci Sophie pour ça. Et à vous deux, à Pénélope, Marc-André, qui, je ne sais pas si vous le savez, sont un vrai couple dans la vie. Et puis, oui, c'est vrai, fait que c'est le couple voyageur qui nous suivent. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. J'aimerais vous dire quelques petits mots. On sait tous que la pandémie a été spécialement difficile pour le domaine du voyage. On a dû mettre à pied presque tout notre personnel. Maintenant, la vie reprend son cours et les voyages reprennent.
Et on voit ça depuis qu'on a eu des annonces récemment. Le téléphone se met à sonner et les gens se posent des questions. C'est quand les prochains départs? Où est-ce qu'on s'en va? C'est beaucoup de l'intra-Québec, mais quelques personnes nous parlent de autres destinations, de l'Italie, de la France, l'Ouest canadien. Donc, on voit que c'est en train de reprendre. On en est très content parce que vous savez, le voyage, non seulement nous, on prépare des voyages, et on fabrique des voyages et on conduit des voyages, mais ce n'est pas juste pour le voyage. Souvent, on voit un peu ce que ça permet de briser l'isolement. Donc, c'est du voyage de groupe, bien évidemment. Donc, briser l'isolement, être ensemble, se parler, échanger. Donc, on a bien hâte que ça reprenne là, d'une façon plus ordonnée, plus organisée. Mais ça s'en vient, on a bien espoir. Fait que c'est le fun. Continuons. Yeah. Un gros merci M. Tessier, puis on se revoit tantôt pour, C'est pas la fin, là. Pour parler de toutes les belles surprises qu'on a annoncées là, pour la suite. Merci, à tantôt. À tantôt, merci. Voilà, comme on vous disait à la fin des présentations, on va vous dévoiler de belles surprises, comme à l'habitude, là, pour ceux qui sont avec nous depuis le début. Vous savez, on a des belles promotions. Ce sera pas différent là, pour Terre-Neuve. On a quelque chose de vraiment intéressant qui s'en vient. Encore une fois, on le répète, allez vous inscrire, membre de la FADOC. Ça vaut la peine, on vous le dit. Yes, merci Marc-André. Donc aussi un mini rappel, je le dis à chaque fois, mais pour vos questions, parce que vous pouvez en poser, il y a Aurore Lambert qui est là pour vous répondre, mais aussi Normand, les deux spécialistes de Terre-Neuve. Alors allez ramasser vos questions, puis nous les écrire dans la section Q et R pour questions et réponses, pour que je puisse tous y avoir accès à la fin et les poser à nos deux conférenciers plus rapidement. Puis, n'ayez pas peur, on va faire seulement une période de questions pour faire ça un petit peu plus vite avec les deux. Donc, si vous posez des questions à Aurore, on va lui poser après la présentation de Normand. Donc, toute la période de questions va se faire en même temps. Donc, inquiétez-vous pas. On vous oublie pas. Donc, on aimerait maintenant inviter notre vedette de la journée. Elle a travaillé au cours des 4 dernières années en tant qu'agente de développement touristique pour les marchés francophones à Terre-Neuve-Labrador. Elle a fait la promotion de cette belle province, de cette province magnifique, en fait, auprès des nombreux visiteurs. Et elle a eu l'opportunité de voyager à travers toute la province, découvrant en passage certaines des destinations incontournables. Donc, voici aujourd'hui Mademoiselle Aurore Lambert. Hey! Bonjour Aurore. On l'accueille. Bon matin. Bon matin. Comment vas-tu? Bon matin, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de cette belle province que tu aimes tant. Pas de problème. Oui, pas de problème. C'est toujours un plaisir de parler de Terre-Neuve. C'est une province que j'aime beaucoup. Puis effectivement, j'ai eu l'occasion de visiter de très beaux endroits dans la province. C'est toujours le fun de pouvoir partager cette expérience puis d'inciter les gens à venir parce que vraiment, c'est une province tout à fait unique. Yes. Donc, On te laisse la parole. Vas-y, on t'écoute. OK. Et je vais partager mon écran. Here we go. Share. OK. C'est tout bon, tout le monde voit. C'est parfait. Tout est beau. OK, parfait. C'est bon, super. OK, let's go. Fait que ma présentation va être environ 15 minutes. Fait que moi, ce que je propose aux participants, c'est de se relaxer, s'accoter à leur chaise. Profitez-en, la vue est sublime partout dans la province. La photo de cette page, c'est à Thorpe Cove, c'est sur l'est de Terre-Neuve, environ une heure et demie au sud de St. John's, sur le bord du East Coast Trail. Puis vous allez voir que des vues comme ça, on n'en manque pas. Ce que je veux préciser d'entrée de jeu, c'est que Terre-Neuve et Labrador, on n'a pas de visiteurs accidentels. On a des gens qui veulent venir parce qu'ils sont à la recherche d'une expérience particulière. On est une destination à l'écart des sentiers battus. Puis vous allez voir, c'est une province qui est très enrichissante et qui saura vous récompenser pour vos efforts. OK, c'est bon. Je pense que je suis allée un peu vite. Hein? Attendez. OK, c'est bon. On y arrive. Excusez-moi pour ça, c'est la première fois que je partage mon écran. OK, pour commencer, la photo actuellement, on est à Fogo Island. Je vous propose de choisir un bateau avec la couleur qui vous attire le plus. Ce sont des dories. Ce sont des bateaux traditionnels de Terre-Neuve et Labrador. Puis en fait, c'est une image qui reflète très bien le mélange entre tradition, culture, histoire qu'on trouve ici.
Donc, c'est assez représentatif de notre province. Ce qu'il faut savoir, à Terre-Neuve, on a 5 régions touristiques. Elles ont toute une myriade d'activités à vous proposer, des attraits à visiter, des paysages sublimes, l'océan qui est toujours proche. Et puis, c'est aussi une occasion de prendre votre temps pour visiter, pour profiter de cette vue. Rapidement, au niveau des attraits, ce que je peux mentionner d'entrée de jeu, c'est qu'on a 4 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a un géoparc qui est aussi classé à l'UNESCO. On a 10 sites historiques nationaux, 9 sites historiques provinciaux, 3 musées provinciaux et plus de 150 musées communautaires. Et on a 19 réserves écologiques. Donc, ce sont tout autant d'occasions de visiter la province et puis de découvrir un peu ses attraits et ses caractéristiques. Alors, quelques autres éléments pour introduire finalement Terre-Neuve et Labrador. Donc, en fait, ce sont deux territoires. On a l'île de Terre-Neuve, bien évidemment, et on a le Labrador, donc, qui est sur le continent et qui est relié à la frontière avec le Québec et qui monte jusque dans l'Arctique. Ici, notre tourisme, c'est un tourisme autour de la nature, de la géologie, de la vie marine, bien évidemment. On ne peut pas ne pas le mentionner, c'est tellement important. Et aussi, on a une histoire humaine, si vous ne vous le saviez pas, c'est une histoire qui remonte à... qui est plus ancienne que les pyramides égyptiennes. Donc, imaginez-vous toute l'histoire que vous allez voir au cours de votre voyage. Comme vous le voyez sur la photo, la petite cabane rouge, c'est une cabane de pêche, c'est là où on débite le poisson. Et ici, la morue est reine. Son exploitation a littéralement... finalement, a influencé, a défini notre économie, nos traditions, nos façons de vivre, notre histoire, notre culture. Donc, c'est sûr que quand vous allez venir, vous allez vraiment vous rendre compte de ça. Les Européens sont venus pêcher sur les côtes de Terre-Neuve depuis des siècles. Donc, c'est vrai que quand vous visitez les petites communautés de pêche, finalement, vous allez bien réaliser toutes les influences, vous allez bien voir toutes les influences européennes qui s'y retrouvent. Je parle des Portugais, des Espagnols, des Basques, des Français, des Anglais, des Irlandais. Donc, toutes ces influences, on les retrouve ici et ça fait une culture tout à fait unique. Voilà. Okay. Donc, pour la suite, on a cette belle carte. Sur la carte, finalement, le trait blanc illustre l'allée des icebergs, donc en anglais « iceberg alley », qui est en fait le couloir que suivent les icebergs pour descendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre province, c'est le point de convergence entre deux courants océaniques majeurs, donc le courant froid du Labrador qui descend et le Gulf Stream qui est un courant chaud. Et en fait, la rencontre de ces deux courants, ça crée un environnement tout à fait unique qui est parfait pour une vie marine riche. Donc, on va retrouver ici des baleines, des oiseaux, on a les icebergs, on a tous les poissons qui remontent. Il faut imaginer que tout ça, ça vient et ça coïncide finalement avec notre saison touristique. Donc, c'est vrai qu'entre mai et puis le mois d'octobre, notre province est bouillonnante de vie. On a plus de 29 000 km de côte. Ça n'a pas l'air, mais c'est beaucoup. On peut dire qu'on a des fjords, on a des baies, des anses, des plages. On a même des plages de sable fin, ce qui peut paraître un peu surprenant, mais on en a. On a aussi ce qu'on appelle des barachois, en anglais, c'est toutes les nooks and crannies, et c'est tout autant d'occasions finalement de découvrir un peu cet aspect très typique de Terre-Neuve. Vous voyez, la province est aussi relativement grande, donc on parle d'une taille géographique similaire à la Californie et au Japon. Pour vous donner une idée, notre province, c'est 3 fois la taille combinée des provinces atlantiques, donc le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Donc, ça vous donne un peu une idée de la taille, ça paraît pas, mais c'est très grand. Et aussi, Saint-Jean, c'est à la même latitude que Paris en France. Au niveau des principaux attraits, bien sûr, on ne peut pas ne pas mentionner les baleines. On a ici la plus grosse concentration de baleines à bosse du monde. Mais en plus des baleines à bosse, on a aussi 22 autres espèces, rorquales communs, petits rorquales. On a des orques, on a des baleines bleues, les dauphins, les marsouins, on a des tortues, on a des phoques. Puis on a aussi toutes les espèces de poissons, le caplan, le hareng, la morue, bien évidemment, les crustacés, le homard, le crabe. Donc, toute cette vie marine, finalement, on la retrouve au large de nos côtes. La saison des baleines,
s'étend entre avril et octobre, selon les espèces. Et c'est certain qu'en arrivant aux alentours de juin, juillet, c'est là où les baleines vont vraiment vous offrir tout un spectacle parce qu'on les voit sauter, elles sont en train de se nourrir, elles sont particulièrement actives. Et c'est un moment vraiment particulier à voir, c'est absolument magnifique. Et puis pour voir les baleines, pas forcément besoin d'aller sur un bateau, on peut très bien les observer depuis la terre ferme, un peu partout dans la province. Finalement, c'est assez facile. J'en ai vu au bord de la plage, j'en ai vu à Cape Spear, j'en ai vu depuis un phare, donc c'est vraiment pas un problème, on en trouve absolument partout. On a aussi notre deuxième géant qui est l'iceberg, finalement. Donc, ce sont ces gros morceaux qui ont plus de 10 000 ans, qui viennent du Groenland et qui descendent chaque année le long de nos côtes. On peut les observer là aussi depuis la terre ferme quand ils sont proches, ou sinon depuis le plus idéalement, c'est de prendre, de participer à une excursion en bateau pour aller les voir. Donc, ce qui est aussi intéressant chez nous, c'est que tandis que les icebergs descendent, les baleines, elles, remontent. C'est-à-dire qu'on a une période entre juin et puis le début juillet où les deux sont au même endroit, au même moment. Et alors là, ça vous donne l'occasion de les voir en même temps, finalement, puis aussi de profiter de la présence des oiseaux marins. Donc, en fait, on a ces trois éléments qui sont notre signature, finalement, qu'on retrouve au même endroit. On sait aussi que finalement les icebergs on sait en faire quelque chose donc si vous venez ici vous vous rendrez compte qu'on exploite finalement ces gros morceaux, on en fait du gin, de la vodka, de la bière bien évidemment, je pense que Normand vous en parlera juste après, donc on sait aussi bien les mettre à bon usage finalement. On a aussi un site internet spécialement dédié pour suivre les icebergs durant la saison, donc à partir de la mi-mai. On a ce site qui vient repérer la présence des icebergs en temps réel. Donc, c'est alimenté par des personnes de la communauté. La saison pour les icebergs, c'est entre avril et puis fin juillet, selon le secteur. C'est sûr que plus tard la saison, il faut remonter un petit peu plus au nord pour les voir. Mais c'est la saison habituelle. Autre attrait majeur, les oiseaux marins. On appelle Terre-Neuve la capitale des oiseaux marins en Amérique du Nord. On en a plus de 35 millions qui viennent ici durant la saison. Et donc, sur l'image que vous avez devant vous, pardon, c'est un macareux. C'est notre emblème aviaire à Terre-Neuve. On le retrouve absolument partout. C'est un tout petit oiseau de la taille d'un pigeon qu'on surnomme le perroquet des mers et qui est assez rigolo à regarder parce qu'il aime beaucoup se nourrir poisson, bien évidemment. Quand il essaie de décoller avec son ventre un peu plein, ben, il y a un air un petit peu comique parce qu'il pédale un petit peu, finalement. Donc, il y a plusieurs endroits dans la province où on peut regarder, observer finalement ces oiseaux qui s'unissent pour la vie. Mais finalement, dès lors que vous êtes au bord de la mer, vous allez les voir. Moi, ce que je suggère pour les gens qui sont fans d'ornithologie, c'est de penser à amener une paire de jumelles finalement pour en profiter parce que ce sont quand même des petits oiseaux. À côté des macareux, on a aussi, donc, comme je l'ai mentionné, 35 autres millions d'oiseaux qui viennent ici chaque année, qui viennent finalement nicher sur nos côtes. Si vous êtes fan d'ornithologie, pardon, vous pourrez voir donc les footbassins, les mouettes tridactyles, guillemots, faucons, petits pingouins et bien sûr les pygargues à tête blanche. Donc ça, ce sont tout autant d'animaux qu'on croise partout dans la province. Et on a d'ailleurs à ce sujet 6 réserves écologiques qui sont autour de la faune aviaire, dont la très belle réserve de Cape St. Mary's qui est la plus importante chez nous. Donc, comme vous l'aurez compris, ici, la nature, elle s'observe avec un grand N. On en a beaucoup. On a des orignaux, bien évidemment, 120 000 orignaux à l'échelle de la province. Pour vous donner une idée, c'est environ un orignal pour 3 habitants. Et puis, pour la petite anecdote, tous ces animaux ne sont pas une espèce indigène à Terre-Neuve. Ils descendent de 4 orignaux qui ont été relâchés au début du XXe siècle à Terre-Neuve et qui sont tellement bien acclimatés qu'ils sont reproduits beaucoup plus qu'espéré. Et donc aujourd'hui, on a toute cette population qui est notamment extrêmement concentrée près du parc du Gros Morne, qui est un attrait qui est inclus dans l'itinéraire d'expression voyage. Donc pour ceux qui participeront, vous pourrez probablement en voir. Ce sont des gros animaux qui sont beaucoup plus actifs au lever du jour puis à la tombée de la nuit. Pour ça qu'on suggère toujours d'être prudent quand on est sur la route à cette époque de l'année. Cette époque du jour, pardon. On a aussi des caribous, plusieurs hordes à travers la province et les plus gros ours noirs du continent nord-américain.
Donc, comme je l'ai mentionné juste avant, le Gros-Ventre, c'est un attrait incontournable de Terre-Neuve et Labrador. C'est inclus dans, dans l'itinéraire d'expression voyage. La photo ici est prise au sommet du fjord de l'étang Western Brook. Donc, c'est un étang qu'on peut visiter, le fjord, on peut le visiter en prenant part à une excursion en bateau. Puis, si on veut, on a une option d'excursion pour se rendre tout en haut. Et puis, quand on est à bord de ce bateau, bah, c'est tout, on a plusieurs occasions de voir des cascades, des vues absolument magnifiques, la faune et la flore tout à fait particulières de ce lieu. C'est un des attraits majeurs du parc du Gros-Ventre. Le parc du Gros-Morne est aussi réputé pour les Tablelands que vous voyez sur la photo, qui est la partie en rouge. Donc ça, c'est ici qu'on a prouvé la théorie de la dérive des continents. C'est le manteau terrestre ici qui est affleurant. C'est un des seuls endroits sur Terre où on peut littéralement marcher sur le manteau terrestre. C'est pour ça que vous avez cette teinte rouge très particulière. Alors, c'est vraiment rigolo parce que sur cette route, quand vous descendez, vous avez les Tablelands très rouges à gauche, puis à droite, c'est la forêt verte, très intense. Le contraste est absolument sublime. Et c'est vraiment un endroit particulier pour se tenir et se rendre compte en fait, de l'âge de notre planète. Ensuite, si on continue notre route plus vers le centre de la province, on arrive à Twilling Gate, qui est aussi un arrêt de l'itinéraire d'expression voyage. Devant vous, vous avez le phare de Long Point, qui est en fait bâti à l'extrémité de la baie Notre-Dame, à Twilling Gate, qui est la capitale nationale des icebergs, capitale mondiale, pardon, des icebergs. C'est un endroit tout à fait idéal donc, pour voir ces géants de glace, mais aussi pour voir les baleines durant la saison. Il y a plusieurs petits sentiers de randonnée qui serpentent au bord de ce phare. C'est absolument magnifique à regarder. Et bien sûr, ici, il y a plusieurs opérateurs qui vont vous offrir des excursions en bateau pour aller voir les icebergs. Alors, maintenant, je vais vous proposer rapidement de faire une excursion en France, finalement, puisque à seulement 25 km au sud des côtes de Terre-Neuve se trouvent Saint-Pierre-et-Miquelon. L'archipel français, c'est le dernier territoire français, finalement, en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment rigolo. Vous arrivez à Fortune, au sud de la péninsule de Burin, et vous avez la douane, finalement, qui vous emmène en France. Donc, c'est un territoire absolument unique. C'est un mélange entre, finalement, la France et l'Amérique du Nord, quand on s'y rend. Donc, l'archipel est constitué de trois îles. Donc, on a l'île de Saint-Pierre, qui accueille aussi la plus grande ville, la ville de Saint-Pierre. On a l'île de Miquelon, qui est l'île nature avec son nid, ses hordes de chevaux sauvages, paradis du randonneur et du cycliste. On a aussi un lagon. Et finalement, la dernière île, c'est l'île aux marins, qui est une plus petite île et qui en fait abrite beaucoup des maisons d'été et des résidents, ainsi qu'un musée à ciel ouvert. Ici, vous retrouvez l'histoire finalement de cette communauté de pêche. Et donc sur cette petite île, il n'y a pas de voiture et en fait on a besoin de prendre un traversier depuis Saint-Pierre, environ 10 minutes en bateau. Alors là c'est la vue sur Saint-Pierre. Côté activité, beaucoup de choses se passent à Saint-Pierre et Miquelon. Vous pouvez participer à des tours guidés, que ce soit à pied ou en auto, sur différents thèmes qui vont mettre en lumière l'architecture, l'histoire, la nature, même tout ce qui a trait à la prohibition, parce que c'est un aspect important de Saint-Pierre. On retrouve dans l'archipel deux musées à Saint-Pierre, pardon, un à Miquelon et un sur l'île aux marins. Tous, finalement, vont évoquer l'histoire de ces îles. Et d'ailleurs, le musée de l'Arche, lui, abrite une guillotine, en fait, qui est la seule guillotine qui ait jamais été utilisée en Amérique du Nord. Donc, c'est une anecdote assez intéressante. Bien sûr, quand vous êtes sur l'archipel, vous pouvez aussi profiter d'une vie marine abondante, baleines, orques, ils ont aussi une colonie de phoques, de nombreuses espèces d'oiseaux. Puis, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, ils ont une horde de chevaux semi-sauvages. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tous un propriétaire, c'est juste qu'ils sont laissés libres à l'année. Bien sûr, si vous êtes en France, on profite aussi d'une gastronomie française. Donc, vous allez avoir accès à des pâtisseries, des boulangeries, des restaurants avec cette gastronomie française, mais avec une petite saveur locale, parce que bien évidemment, on perçoit l'influence de la vie dans l'Atlantique. Vous pourrez aussi
profiter de vin, de bon vin, de terrine, de pâté, absolument fabuleux, des fromages, puis aussi d'autres produits, comme les savons, les épices, les parfums. Ça aussi, ce sont des choses qu'on trouve lorsqu'on vient à Saint-Pierre et Miquelon. Je voudrais mentionner juste quelques petits aspects à ce sujet. Donc, bien sûr, on est dans un territoire français, donc la monnaie locale, c'est l'euro. On suggère toujours aux visiteurs de prévoir de convertir quelques billets avant leur départ, même si la majorité des magasins vont accepter les dollars canadiens. Le taux de change est parfois un peu moins intéressant. Donc, c'est toujours bien d'avoir un peu d'euros avec vous ou alors d'avoir avec vous une carte Visa ou une Mastercard. Côté fuseau horaire, Saint-Pierre-et-Miquelon est 30 minutes en avance sur Terre-Neuve. Donc, quand il est midi chez nous, il est midi 30 chez eux. On vous suggère aussi d'emporter un adaptateur pour vos appareils électriques, hein, bien sûr, parce que les prises sont différentes et le courant est aussi différent. Donc, selon l'appareil, un convertisseur de tension peut être pratique. Les magasins sont aussi ouverts à l'heure française. Donc, ça veut dire qu'ils sont fermés le dimanche et sur l'heure du midi, entre midi et 14h. Et pour les repas, les restaurants vont servir à l'heure française, donc entre midi et 14h pour les dîners. Et pour le souper, c'est à partir de 19h. Et en général, on conseille de réserver parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants. Et pendant la saison, forcément, il y a beaucoup de touristes. Donc, c'est toujours mieux de réserver pour s'assurer qu'on a une place. Donc, de retour sur l'île, on arrive finalement maintenant à Saint John's. Donc, qui est notre capitale provinciale. Comme vous pouvez voir sur la photo, c'est une ville qui est assez vallonnée, des collines, des vallées. C'est finalement plus pentu que ça n'y paraît. C'est une ville aussi qui est extrêmement colorée, avec une architecture qui est tout à fait typique, comme vous pouvez le voir, toutes ces belles maisons pleines de couleurs qui sont un peu finalement notre marque de fabrique. D'ailleurs, on a même une gamme de peintures qui est faite sur la couleur de nos maisons ici. C'est donc Saint John, c'est l'une des plus vieilles villes d'Amérique du Nord, si ce n'est peut-être la plus ancienne. C'est une combinaison parfaite finalement entre une grande ville avec tous les attraits que ça peut fournir, tous les services qu'on peut y trouver, mais aussi le charme des communautés un petit peu plus tranquilles. Hein. On a environ 200 000 habitants entre Saint John et sa grande couronne finalement. Ici, donc, comme un peu partout dans la province, les gens sont extrêmement chaleureux. C'est quelque chose que vous verrez tout de suite en arrivant. On aime les gens et on sait bien les accueillir. Là, sur la photo, vous voyez deux bâtiments principaux. Je vais juste les mentionner très rapidement. Donc, le bâtiment jaune avec le toit rouge, c'est le musée provincial de Rouen. Ils accueillent les archives provinciales ainsi que des expositions temporaires et permanentes sur divers sujets. On y trouve aussi un café qui a une vue imprenable sur le port. Donc, si vous avez l'occasion d'y rentrer puis d'aller jeter un œil, c'est absolument magnifique. Vous voyez le port de Saint John's et puis finalement ce qu'on appelle The Narrows, qui est l'entrée du port. Et puis en plus, ça vous propose des mégas astronomiques finalement locaux de Terre-Neuve et Labrador. Et l'église qui est juste à droite, c'est la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste. Elle est construite en pierre irlandaise et en granit et elle a 9 cloches, dont une qui fait plus de 2 tonnes. Donc ça, c'est un peu les deux marqueurs architecturaux de notre belle ville. Donc là, on arrive ensuite à Water Street, qui est la rue principale de Terre-Neuve. C'est parfait pour finalement aller magasiner des produits locaux, des souvenirs quand vous êtes sur place. Mais aussi pour aller manger, il y a beaucoup de petits restaurants, là encore, qui vont mettre en avant la gastronomie locale, le poisson, la viande, les crustacés, les bières, parce qu'on a aussi beaucoup de micro-brasseries qui sont à Terre-Neuve et Labrador. Et puis là, sur la photo, vous avez le bâtiment, juste avant le petit bâtiment jaune, finalement, c'est la brasserie Yellow Belly. Puis juste à côté, on a la rue George Street qui commence. Qui est là, si vous voulez faire la fête le soir, vous pouvez vous rendre ici. C'est la rue avec la plus grande concentration de bars en Amérique du Nord. Donc, en fait, c'est une toute petite rue, il n'y a que des bars. Et puis, si vous voulez faire la fête, c'est là qu'il faut se rendre, c'est là que l'animation se passe chaque soir de l'année. À deux pas du centre-ville, ce qu'on trouve aussi, c'est donc la tour Cabot et le site de Signal Hill, qui est aussi un élément architectural important quand on est ailleurs dans Saint John's, quand on est au Cap-Spire, on le voit de loin, puis on sait que là, c'est le site de Signal Hill.
Donc, l'iconique tour Cabot, c'est de là où les militaires, finalement, surveillaient la côte puis l'entrée du port au XVIIIe siècle. C'est aussi ici que Marconi a reçu la première transmission transatlantique en 1901. Et en fait, depuis le pied de la colline, vous avez une vue tout à fait imprenable sur le port de St. John, sur les collines, sur le phare de Four Armors, qui est juste en bas, qui est à l'entrée, finalement, du port, dans les Narrows. Par beau temps, on peut y voir vraiment de très loin. On peut même voir Cape Spear un petit peu plus loin dans la distance. Puis pendant la saison, mais c'est pas rare de voir des baleines, parfois des icebergs, de voir des oiseaux aussi. Puis toute une autre faune, on a des renards qui vivent sur la colline, plusieurs espèces d'oiseaux. Donc c'est vrai que c'est vraiment un attrait à voir, absolument aller visiter. Puis moi, ce que je conseille toujours aux gens, puis ça fonctionne partout pour la province finalement, c'est prendre des bonnes chaussures de randonnée. Ça n'a pas l'air, mais c'est un rocher. On appelle Terre-Neuve de Rock. C'est très rocheux, donc des bonnes chaussures de randonnée pour être bien confortable. Notamment à Signal Hill, c'est très pentu. Il y a des petits sentiers de randonnée qui serpentent dans la colline. Donc, si vous voulez les emprunter, c'est toujours mieux d'être bien chaussé pour votre confort. Pendant la saison touristique, on trouve aussi ici sur place des événements saisonniers. Donc, il y a les tirs de coups de canon, il y a des dégustations de vin, des visites spécifiques. Donc, c'est aussi un endroit à visiter dans ce sens-là. Et puis, notre arrêt, déjà le dernier, voilà, le phare de Cape Spear. Donc, c'est un site historique national. C'est environ 20 minutes de St. John's. C'est le point le plus à l'est d'Amérique du Nord. C'est-à-dire que, imaginez-vous, quand vous vous tenez ici le matin, vous êtes les premiers à voir le soleil se lever sur l'Amérique du Nord. Personnellement, c'est mon site favori à Terre-Neuve. J'habite à environ 15 minutes de cet endroit. Et c'est vraiment super d'aller profiter de la vue du soleil levant ou simplement aller regarder les vagues qui s'écrasent contre les rochers, observer les oiseaux puis les baleines qui passent au large. C'est très relaxant, finalement. Donc, vous êtes à environ 20 minutes du centre-ville de St. John's. Sur place, vous trouverez donc la maison du gardien du phare. Donc, c'est là où a vécu la famille Cantwell pendant environ 150 ans. Et en plus donc, de la maison du gardien, on y trouve bien évidemment le phare qui illumine encore la route pour les bateaux qui viennent. Juste à côté, il y a aussi le fort de Cape Spear, c'est-à-dire c'est une batterie de canons qui a servi à protéger finalement la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on retrouve encore les bâtiments qui sont encastrés dans la roche. On peut les voir, c'est assez impressionnant à observer. Et donc, comme je l'ai mentionné ici, pendant la saison, c'est très facile d'y voir des baleines, les icebergs, de voir les oiseaux, les bateaux qui passent. Donc, c'est toujours assez impressionnant à regarder. Puis là, d'avoir avec soi des jumelles, ça peut être aussi très pratique. Et ça conclut ma présentation. Je vais vous laisser avec cette dernière image de Cape Spear, finalement. Puis mentionner que le East Coast Trail finalement passe à proximité, hein. Donc le East Coast Trail, c'est un réseau de sentiers sur la côte est de Terre-Neuve, passe par le phare de Cape Spear, puis c'est vraiment aussi agréable à parcourir ce sentier, même si c'est en totalité ou simplement en portion, c'est toujours des vues tout à fait imprenables. Et ça conclut ma présentation pour ce matin. Oh, merci beaucoup, Aurore. Ah, oh, c'est beau. Tellement magnifique comme endroit. Moi, le fait qui m'a le plus fait rire, c'est un orignal par 3 habitants. J'ai beaucoup ri. Oui, c'est fascinant. Je trouve que c'est le meilleur moyen de bien représenter qu'on a beaucoup d'orignaux. Là, on comprend quand on entend ça, là, tu sais. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Bon. C'est fantastique. Un gros merci. Écoute, on se reparle tantôt pour la période de questions. On va juste départager ton écran pour permettre à Normand de faire sa présentation. Donc, voilà. À tantôt. Un gros merci encore. Très intéressant. Merci beaucoup.
Donc, on aimerait maintenant inviter notre deuxième vedette de la journée. En fait, vedette de la journée, on peut dire vedette de la saison. Hein. Vous le connaissez probablement, c'est un voyageur aguerri et passionné. Il vient lui aussi nous parler de Terre-Neuve. Mais, non, nouvelle. C'est maintenant le blogueur officiel d'Expression Voyage. Oui. Donc, on accueille Monsieur Normand Verdon. Bonjour Normand. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Tout est bon. Tout va bien. Alors, j'aimerais ça vous parler de Terre-Neuve, mais ça va être difficile de rajouter quelque chose à la superbe présentation d'Aurore. Mais moi, juste avant que tu nous parles de Terre-Neuve, je veux parler de l'annonce qu'on vient tout juste de faire. Que tu es notre nouveau blogueur officiel à Expression Voyage. Comment ça va se passer? Tout ça, tu vas écrire sur les destinations que tu as faites. J'aime beaucoup ça parler. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup parler, mais j'aime beaucoup écrire aussi. Puis je pense que je ne suis pas trop pire en écriture. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, j'ai parti un blog personnel, puis j'ai 150 articles dessus. Donc, ça vous donne une idée que j'aime ça écrire. Moi, là ça passe mon temps pendant cette difficile période de la pandémie. Alors, oui, pour Expression, je vais... essayer de donner le goût aux gens de voyager, et ça un peu partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Alors, voilà. Te connaissant et t'avoir lu et entendu, je pense que ce ne sera pas trop ça difficile de donner le goût aux gens de voyager. Alors, après cette superbe présentation d'Aurore, ça va être difficile de rajouter quelque chose sur Terre-Neuve, mais je vais m'essayer parce que je connais bien Terre-Neuve. Ça fait quand même quelques années que je n'y ai pas mis les pieds, mais j'ai tellement hâte d'y retourner. Puis les photos qu'on vient de voir, ça donne vraiment le goût, n'est-ce pas? Ouais. Je vais commencer en disant que Terre-Neuve, pour les Québécois, ce n'est pas une province très connue. C'est probablement une des moins connues, d'ailleurs. Et puis Aurore l'a mentionné, c'est une province de destination. On ne va pas à Terre-Neuve par hasard ou en passant. Il faut y aller. Puis, pour toutes sortes de raisons, c'est une province qui est un petit peu négligée par les Québécois. Vous allez trouver très peu de Québécois qui ont déjà mis les pieds à Terre-Neuve, et c'est bien dommage. Et là, je pense qu'on devrait profiter du fait qu'on est en fin de confinement et que ça va prendre encore un certain temps pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut à l'international comme on faisait avant. Alors, pourquoi on n'en profiterait pas pour visiter notre beau grand pays? On a l'avantage d'habiter un immense pays où on peut se dépayser en restant au Canada. Donc, parce que Terre-Neuve, c'est relativement loin, mais c'est aussi très différent de chez nous. On va commencer par le partage d'écran, je pense bien, n'est-ce pas? C'est le temps de partager. Voilà, ça devrait marcher cette fois-ci. Vous me direz si vous voyez actuellement une photo de Terre-Neuve, c'est ça? On voit toutes tes photos. Est-ce que... Ah, pas vrai, oui. Il faut que tu départages ton écran, en fait. Mets la photo en plein écran avant de mettre ton partage d'écran. Ah, OK, je comprends. Attendez un petit peu. Seigneur, bon, ben on va arrêter le partage. Comme ça. On recommence, prends ton temps. Comme ça. OK, et puis là, on va en partage d'écran. Attends, est-ce que ça s'en vient? On va partager. Je pense que ça va marcher. Oui, ça va marcher. Pas mal sûr. Tu parlais de Resto Québec, mais en plus, on va en France pour pas mal moins loin. C'est ça. Que... Là, voyez-vous Terre-Neuve? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, okay. Là, tout va bien. Alors, on y va. Je vous disais que c'était une des provinces les moins connues, et puis c'est bien dommage. Parce que c'est très différent de chez nous. Alors, il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais Terre-Neuve, ça ne fait pas si longtemps que ça, que ça fait partie du Canada. 1949 seulement. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça fait une population qui est légèrement différente du reste du Canada anglais. Les gens de Terre-Neuve sont majoritairement des descendants irlandais, écossais. Donc, ça va donner une touche un peu particulière à Terre-Neuve par rapport à aller en Ontario, au Manitoba ou en Colombie-Britannique, par exemple. Et puis, c'est sur ça qu'on va se concentrer dans le voyage qu'on vous propose pour l'an prochain. Moi, je considère qu'on va à Terre-Neuve pour quelques raisons particulières. Une, ce sont ses grands espaces, évidemment. Aurore en a parlé.
C'est un immense territoire, c'est très grand, très peu peuplé. Il y a à peine 500 000 habitants à Terre-Neuve et le territoire est gigantesque. Donc, il faudra s'attendre à avoir de la nature sauvage, à avoir des animaux, des oiseaux. Alors, j'ai pris la liberté de mettre une carte de Terre-Neuve. On n'a pas le Labrador là-dessus. Alors, ça ne paraît pas, mais c'est gigantesque. La province est faite grosso modo comme un triangle, si vous voulez. Et d'une pointe à l'autre du triangle, en auto, c'est environ 10 heures d'auto. Alors, c'est absolument gigantesque. On va se concentrer pour le voyage sur St. John's, qui est tout à fait à droite, comme vous voyez indiqué par la flèche rouge. Et ensuite, l'autre région majeure qu'on va aller visiter, c'est le cercle qui est écrit GM à gauche, GM pour le Gros Morne. Alors, c'est un parc national absolument extraordinaire qu'il ne faut pas manquer et on va voir ça un petit peu plus en détail. L'autre cercle en bas, c'est pas à Terre-Neuve, c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aurore en a bien parlé, c'est un territoire français et on va y revenir dans quelques minutes. C'est la ville de Saint-Jean. La ville de Saint-Jean est une ville absolument magnifique. Et puis, c'est vrai qu'elle dispute le terme de la plus ancienne ville au Canada. Et puis, je ne réglerai pas le débat parce que ça fait des années qu'on se bat entre Québec et Saint-Jean pour savoir laquelle des deux est la plus ancienne ville du Canada. On ne tombera pas dans ce détail-là. Mais Saint-Jean est caractérisé par une espèce de plan d'eau intérieur, comme ça, qu'on appelle The Narrows. Saint-Jean est aussi caractérisé par ses couleurs. On retrouve beaucoup, beaucoup de petites maisons colorées à Saint-Jean. Regardez si c'est beau, j'en ai d'autres. J'en ai mis plusieurs parce que je trouve ça absolument superbe. Alors, il s'agit de la rue, c'est la rue, bon, Gower Street, c'est ça, mais qu'on l'appelle familièrement Jelly Bean Road, pour des raisons évidentes, n'est-ce pas? Alors, Saint-Jean est absolument superbe. Ici, c'est de Battery. Et puis, comme Aurore l'a mentionné, tout juste en dehors de Saint-Jean, regardez si c'est beau, mais c'est vraiment un rocher. Hein? Oui, effectivement, on appelle ça The Rock. Alors, c'est une terre très, très rocailleuse. On voit ici, on a une vue à partir de Signal Hill sur Saint-Jean. Et puis, on voit l'entrée du port intérieur ici. Puis, il y a une anecdote absolument savoureuse que peu de gens savent. Il y a 20-25 ans, il y a un iceberg. Ici, au printemps, il y a beaucoup d'icebergs qui descendent du Groenland. Et il y en a un qui est allé se planter là, ici, à l'entrée du port et qui a bloqué le port intérieur pendant plusieurs semaines. Et un iceberg, comme vous pouvez vous imaginer, ça ne se transporte pas facilement. Alors, voici pour la petite anecdote. Alors, tout ça, ce sont les environs de Saint-Jean. Voici Signal Hill. C'est un endroit que moi, j'adore parce qu'on a une vue absolument superbe sur Saint-Jean et sur la mer avec la tour Cabot. Encore une fois, ça a été mentionné. C'est ici que le premier signal sans fil TSF a été reçu en provenance de l'Europe, de l'Angleterre en 1901 par un certain Marconi. Voilà, c'est un très, très bel endroit. Alors, je passe rapidement, ça a déjà été dit. Tout de suite, à l'extérieur de Saint-Jean, on a plein de petits villages de pêcheurs semblables à ça. C'est absolument superbe. Il y a une place que moi, j'adore. Il y a beaucoup de micro-brasseries, mais il y en a une que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Kidividi. Elle est dans une espèce de petit village de pêcheurs comme ça. Alors, à toutes les fois que j'y vais avec des touristes, on s'assure d'aller faire une dégustation de bière. L'endroit est très joli et en plus, ils se spécialisent dans la bière, tenez-vous bien, fabriquée avec l'eau des icebergs. Donc, regardez sur la bouteille, je ne sais pas si vous le pouvez voir, c'est de l'eau pure qui date de 25 000 ans. Alors, ils font, ils récupèrent de l'eau des icebergs pour faire de la bière. C'est absolument intéressant. Je pense que ça n'a pas été mentionné par Aurore. Ce que vous voyez là, la madame est en train d'embrasser une morue. Il y a une espèce de rituel pour lorsqu'on est à Terre-Neuve. Si on veut devenir un Terre-Neuvien,
on va participer à un rituel qui s'appelle The Screech. Et The Screech, il s'agit de prendre un coup, évidemment, de prendre une petite shot d'alcool, mais aussi d'embrasser la morue. Alors, les gens, généralement, se plient à ce genre de choses-là. C'est fort intéressant. Et ça fait de vous un membre honoraire de la communauté terre-neuvienne. Cape Spear, comme ça a été mentionné, le point le plus à l'est de Terre-Neuve. C'est sûr qu'on va aller là, on va aller se promener là. C'est fort intéressant. Non seulement c'est le point le plus à l'est de Terre-Neuve, mais c'est un très bel endroit de randonnée pour faire des photos. On y voit souvent des baleines, on y voit des macareux. C'est un très, très bel endroit. Le macareux, que moi j'adore, qu'on appelle des puffins en anglais, un oiseau tout à fait rigolo, tout petit en fait, mais très bien. Et il y a beaucoup d'autres sortes d'oiseaux, particulièrement dans la région de Cape Spear. Ensuite, on va se déplacer tout à fait à l'ouest de l'île de Terre-Neuve pour aller dans le parc national de Gros Morne. Et en réalité, lorsqu'on est là, il y a des fjords, on pourrait se penser en Scandinavie, par exemple, et c'est absolument spectaculaire comme vue. Alors, des montagnes hautes, des fjords, faire un petit tour de bateau dans ce coin-là, c'est absolument majestueux. Et c'est classé au patrimoine mondial de l'humanité aussi. Et c'est un parc national. Alors, quand je vous disais qu'on va à Terre-Neuve pour les grands espaces, voilà ce que ça donne. On va aller aussi, puisqu'on est là, faire un tour à Saint-Pierre-et-Miquelon. Si je disais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont déjà visité Terre-Neuve, il y a encore moins de monde qui ont visité Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce n'est pas facile hein, d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la France. Aurore l'a mentionné aussi, donc ça prend votre passeport, ça prend des euros, c'est la France comme on l'imagine. Sauf que si on voulait aller à Saint-Pierre-et-Miquelon à partir de Montréal, tenez-vous bien, ça vous coûterait plus cher qu'aller en France. Donc, ça explique qu'il n'y a pas tellement de monde qui vont visiter Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est tout petit, hein? On appelle ça un caillou en fait perdu dans l'océan Atlantique. Mais quand on est à Terre-Neuve, c'est fort agréable de prendre un petit traversier qui dure 1 heure, 1 heure 30, et on va aller faire un tour à Terre-Neuve. Je ramène ma carte. Terre-Neuve, c'est quelques îles qui sont tout à fait au sud de l'île de Terre-Neuve. Et là, on est en France, avec tout ce que ça implique. J'adore Saint-Pierre-et-Miquelon. J'adore les endroits moins populaires, si vous voulez, mais si jamais vous allez à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous allez pouvoir vous vanter d'aller voir une place qui est plutôt rare. C'est vraiment joli, c'est fort agréable. Encore ici, on voit beaucoup de petites maisons colorées. Je pense qu'on avait la même photo. Et puis, ça, c'est le centre-ville, la place Charles de Gaulle à Saint-Pierre, en fait. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a à peu près 6 000 habitants. Donc, dont à peu près 5 400 à Saint-Pierre et 5 600 habitants à Miquelon. Donc, c'est vraiment tout petit. Et c'est français avec tout ce que ça implique. De gendarmes, on soupe plus tard, on paye avec des euros, il y a des petits cafés français, c'est l'accent français. Voilà, alors on ne devrait pas se priver de ça. Ce qu'il y a d'intéressant, entre autres, à Saint-Pierre-et-Miquelon, moi, je suis un amateur d'histoire, alors il y a quelques musées. Là, on est à l'île aux Marins, qui est une petite île au large de Saint-Pierre. Et on va apprendre, lorsqu'on est là, que Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a toujours vécu de pêche, évidemment, comme on peut imaginer, a eu une période de l'âge d'or en 1920, de 1920 à 1930 à peu près, puis je vous le donne en mille, pourquoi, vous ne le trouverez pas. C'est à cause de la prohibition américaine. Vous savez que dans ces temps-là, 1920 à 1933, après, aucune boisson aux États-Unis. Mais si vous pensez que les gens ont arrêté de boire de la boisson parce qu'il y avait la prohibition, vous vous trompez. Or, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'était pas sujet à la prohibition parce que c'était territoire français, a fait des affaires d'or, comme vous pouvez vous imaginer. Alors, ils ont vendu de la boisson illégalement à toutes sortes de gens qui partaient en bateau de la côte des États-Unis puis qui venaient acheter de la boisson en toute légalité à Saint-Pierre et qui l'entraient illégalement aux États-Unis. Alors, c'est les temps de la prohibition et ça n'existe plus, mais c'est encore raconté dans différents musées et différents endroits à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, ça complète ce qu'on va faire. Alors, on a un voyage de prévu le 27 juillet, du 27 juillet au 8 août de l'an prochain. On vous invite à vous joindre à nous. Encore une fois, c'est le temps idéal pour visiter notre beau grand pays.
avant que toutes les destinations internationales recommencent comme on aimerait ça qu'elles le fassent. Yes. Alors voilà, je redonne la parole à Marc-André et Pénélope. Un gros merci, Normand. On va te garder avec nous. On va voir si les gens ont des questions. Mais gênez-vous pas. Aurore et Normand, ça va leur faire, ça va leur faire plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, écrivez-les dans le chat. On a des petites questions. On a deux personnes pour y répondre cette fois-ci. Alors vraiment, vous êtes gâtés. Puis comme, comme Normand disait, on a les voyages internationaux sont... sont proscrits pour un petit bout de temps, mais on va quand même faire un petit tour en France. Fait que pas pire, quand même. Le fun. Donc, écoute, on avait... ça a été mentionné. Oui, on a des, beaucoup d'auditeurs qui nous ont dit il ne faut pas oublier le passeport. C'est vrai. Pour rentrer à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est en France, alors besoin du passeport pour y passer. Ah, j'ai des questions. Alors, donc, si je peux mentionner pour le passeport, éventuellement, une autre option pour les visiteurs, les citoyens canadiens, c'est d'y aller avec leur permis de conduire. Ils sont autorisés à rentrer à Saint-Pierre avec leur permis de conduire. La seule affaire, c'est qu'il faut un certificat de naissance quand ils retournent au Canada. Ouais. Donc, éventuellement, si une personne n'a pas de passeport, c'est une option. Que je préfère mentionner pour être complet, c'est certain que si la personne a son passeport, c'est beaucoup plus simple de juste prendre ce document-là, finalement. C'est ça, c'est un document au lieu de deux, donc... C'est ça, mais certains n'ont pas de passeport, malheureusement. Mais je comprends. J'ai deux autres questions. Y a-t-il des campings à Saint-Pierre-et-Miquelon? Oui, il y en a. Il y a des campings et il y a de très grands espaces. Le camping va surtout se faire. Il y a une très grande île qui n'est pas habitée du tout, qui s'appelle l'Anglade, là-bas. Et on y trouve, imaginez-vous, des chevaux sauvages. Et c'est un endroit où on peut faire du camping, effectivement. La seule chose à savoir, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut se promener en petit traversier pour aller d'une place à l'autre. Hein. Saint-Pierre, c'est une île. Miquelon, c'est une autre île. Alors, il y a des petits traversiers qui vont là. L'Anglade, c'est la même chose. Alors, on prend des petits traversiers puis on se promène. Et la plupart du temps, il n'y a personne. On est dans une terre tout à fait sauvage et parce qu'encore une fois, il n'y a pas 6000 personnes totales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Fait que wow. Si on veut un peu là, de solitude, la ville, c'est vraiment le voyage parfait. Là, pour... Ouais. Pour s'en éloigner un petit peu, vendent-ils beaucoup? S'ils vendent, on est toujours sur le bord de l'eau, alors ils vendent continuellement, effectivement, oui. Et même quand on y va comme ça, là, comme on va y aller en juillet et en août, ça prend une laine et ça prend un coupe-vent parce qu'on est tout à fait sur le bord de l'eau. Imaginez-vous qu'à Saint-Jean, à Cape Spear, à Saint-Pierre-et-Miquelon, non seulement on est sur le bord de l'eau, mais on est sur le bord du grand étang là, qui s'appelle l'océan Atlantique. Alors, quand le vent ramasse dans ce coin-là, je vous dirais qu'il ramasse pas mal fort. Ouais, écoute, on est juste à côté du même frémagogue aujourd'hui sur l'eau. Puis on s'en va, là. On suggère aussi d'emmener ta protection solaire, parce que ça n'a pas l'air, mais l'indice UV, il est très fort à Terre-Neuve. Alors, même s'il ne fait pas forcément extrêmement chaud, même si l'été dernier, on a eu des 35 degrés, ce qui est assez surprenant pour chez nous, c'est toujours bien d'avoir de la protection solaire parce que passer une journée, surtout si on est en bord de mer, hein, ça va taper. Puis avec le sel, forcément, dans l'air, ça assèche facilement. Donc, c'est toujours une bonne chose à avoir en plus du coupe-vent et puis de la petite laine pour se protéger. Exact, oui, c'est ça. C'est sûr que quand il fait plus frais, on n'a pas tendance à penser que le soleil peut venir nous brûler la peau, mais c'est en effet le cas. On a une autre question. Qu'en est-il des vestiges vikings? Je crois qu'on ne l'a pas dans le forfait. On demande est-ce que c'est trop loin? Est-ce que... C'est loin, oui, effectivement. C'est tout à fait à la pointe nord. Ça s'appelle Lance-aux-Meadows. C'est près d'un petit village qui s'appelle Saint-Anthony. C'est loin. Effectivement, puis il n'y a pratiquement rien en route. Il faut savoir que c'est la reconstruction d'un ancien village viking. Donc, ce n'est pas le village original. C'est une reconstruction, en fait, d'un village. C'est une espèce de talus, en fait, où les vikings se construisaient des abris sous ça. Et puis, on a opté pour ne pas y aller. D'une part, c'est loin. D'autre part, c'est une reconstruction. Il faut savoir, pour ceux qui l'ignoreraient, que les Vikings ont fréquenté ces côtes-là pour des raisons de pêche, mais l'été seulement, durant quelques années, là, tout simplement. Alors, on a opté pour ne pas y aller. D'accord, okay. Merci. Un gros merci, je pense. Non, j'en ai une autre. Non, attendez, il y en a.
En excluant Saint-Pierre et Miquelon, quelle est la proportion de la francophonie à Terre-Neuve et Labrador? Est-ce qu'il y a des médias francophones? Ah ben, je vais laisser Aurore. Je sais qu'il y a une communauté acadienne, mais je pense que c'est très, très, très petit. Mais je pense qu'Aurore va être mieux placée que moi pour répondre à cette question-là. Ben oui, Normand a raison. Notre communauté francophone, elle est très petite. On parle à l'échelle de la province. Alors, si on parle des personnes qui parlent français de manière courante, comme moi, on est environ 3000. Puis si on inclut les personnes dans leur ménage qui peuvent éventuellement avoir une connaissance un peu du français, on est à 6000. Donc, c'est tout petit. On a trois communautés francophones, donc à Saint-John, beaucoup, évidemment, parce que c'est la capitale. C'est beaucoup des gens qui sont des immigrants, comme moi, qui viennent du Québec ou d'autres pays d'Afrique francophone, finalement. On a ensuite la péninsule de Port-au-Port, qui est à l'ouest et qui est environ... peut-être deux, trois heures de route au sud du parc du Gros-Morne, pour vous situer. Ça, c'est le berceau de la francophonie à Terre-Neuve et Labrador. C'est là qu'on trouve ceux qui sont nés sur place, qui parlent encore français, avec des origines acadiennes, notamment. Et notre dernière communauté, elle est à Labrador City, parce que c'est les mines, c'est la proximité avec le Québec. Donc là, c'est plutôt une immigration économique. Donc ça fait environ entre 3 et 6 000 personnes, dépendamment de comment on compte. Pour les médias, oui, on en a un. On a un journal communautaire francophone qui s'appelle Le Gaboteur. Donc, ils ont un journal numérique et papier qui est distribué deux fois par mois, il me semble, effectivement. C'est bien, merci. Merci. Ah, mon Dieu, j'en ai une autre. Les gens sont en feu. Est-ce que le circuit demande d'être en forme? Faudra-t-il marcher beaucoup? Ça, je pense que c'est à moi à répondre. Ben, ça dépend de vous, en fait. Il y aura des marches proposées, mais on s'assure de tout le temps faire des marches très lentes, d'une part. On a une clientèle qui est largement composée de retraités et de pré-retraités. Donc, ce n'est pas un circuit sportif. C'est un circuit qui s'adresse à tout le monde en autant qu'on peut marcher un peu. Et lorsqu'on va trouver qu'il y a certaines excursions qui sont un petit peu trop ardues, ben, le guide donnera des rendez-vous aux gens en disant « Bon, ben, regardez, attendez-nous dans ce coin-ci, on va repasser dans 20 minutes, etc. » Si, par exemple, il y a une côte à monter ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas un circuit sportif. C'est un circuit qui s'adresse à tout le monde. On ne court pas un marathon, là. Yes. Bon, ben c'est tout pour les questions. Donc, merci, vraiment très intéressant. On se revoit tantôt pour l'annonce de la promotion, ouais. Mais fait qu'on vous dit à tantôt. Et non, au revoir. Donc, merci beaucoup. Alors, Pénélope, je te laisse pour la première surprise de la journée. Ah oui, attendez, j'arrête. Tu vas pouvoir nous partager ton écran. Donc, première surprise de la journée, en fait, on a le lancement de notre brochure spéciale Québec-Canada. Donc, la dernière fois, avec la conférence sur les croisières, on a lancé notre petite brochure sur les croisières. Cette fois-ci, on a travaillé très fort sur la brochure Québec-Canada, aussi en collaboration avec Sophie Tessier, que Philippe a remercié tantôt, qui a travaillé très fort pour ça. Alors, je vous la présente, je partage mon écran, c'est en primeur. Vous allez être pas mal les premiers à la voir, à part ceux qui ont travaillé dessus. Alors, j'imagine que tout le monde la voit. Donc, c'est parti. Attendez, j'y vais. Je vais aller travailler sur mon... OK. Donc, où aller en vacances cet été? Ça, c'est notre page couverture. On a beaucoup de forfaits Explore Québec sur la route à 25 % de rabais. C'est une gracieuseté du gouvernement qui, pour les agents de voyage et tout ça qui voyagent au Québec, donne un 25 % de rabais sur nos prix. Alors, c'est déjà appliqué sur nos prix. Vous avez déjà un 25. C'est quand même beaucoup. On est vraiment chanceux, plus les quelques promotions qui sont passées par-ci, par-là quand lors des conférences. Quand on pense, ouais, si on profite du 25 % de rabais, plus des promotions qui sont offertes par Expression Voyage, ça vaut vraiment la peine de partir ces temps-ci. Ouais. Exactement. Donc, ça, c'est la page avec la table des matières et tout ça, je vais passer plus rapidement. Et on arrive à nos voyages d'une journée. C'est sûr qu'on va en avoir pas mal parce que, évidemment, on reste ici, on part pas trop longtemps avec la COVID et tout ça. On veut pas commencer tout de suite à partir en fou. Tous nos voyages, tous nos prix indiqués dans la brochure incluent transport, évidemment, un accompagnateur avec vous, les taxes toujours. Donc, tout ça est toujours inclus dans votre forfait, ainsi que les pourboires au guide et au chauffeur. Après ça, donc le premier, Canneberge en fête et parc Marie-Victorin. Donc, on a deux belles sorties. On va au centre d'interprétation de la Canneberge ainsi qu'au parc Marie-Victorin. On a un dîner à saveur de Canneberge, ça va être génial.
Donc, ça, c'est le 6 octobre 2021. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a la fête des vendanges qui est tout près d'ici, de d'où nous sommes en ce moment. Vraiment génial, plaisir gourmand. C'est une journée pour vous régaler. On a les entrées et dégustations à la fête des vendanges Magog Offered. On a un accès gratuit à toutes les tentes et tout ça. Et le souper, évidemment. Donc, c'est vraiment une journée où vous allez vous régaler. On a aussi la grande Diane Dufresne qui fait un concert symphonique avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières et qui fait un arrêt à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Alors, ça risque d'être assez extraordinaire. Vous avez une date en septembre 2021. Ensuite, Illumi par Cavalia. Évidemment, vous connaissez le parcours à Laval avec tout illuminé. On y va, on a une passe VIP pour voir tout ça avec un accès à la section lounge. Il y a des boissons non alcoolisées à volonté, donc ça, c'est génial. Ensuite, on a la super promotion du Grand Cru et Bleu Lavande. Ça, c'est vraiment spécial. Le Grand Cru qu'on peut encore une fois remercier. Je ne sais pas si tout le monde le voit, ça apparaît lentement. Voilà, ça apparaît. Donc, le Grand Cru nous offre, dans le fond, pour les 10 premiers membres FADOC qui vont s'inscrire au forfait. On a deux dates, là, 4 et 19 septembre, oui, 2021. Vous allez recevoir une bouteille de désinfectant. On est à thématique COVID 2020-2021. Mais c'est de bleu lavande. Donc, à la lavande, ça ne sentira pas la vodka passée date, un peu gluante. Ça va être super agréable. Et ensuite, parmi tous les gens qui vont s'être inscrits, donc là, ça ne sera pas juste les 10 premiers membres FADOC, ça va être tous les gens qui vont s'être inscrits. Le Grand Cru va faire tirer une bonne bouteille de vin avec une assiette de fromage. Donc, vraiment, vous allez être gâtés en vous inscrivant à ce beau voyage-là. Je vous invite à le faire. On a aussi, évidemment, Casino de Charlevoix et le Petit Manoir, avec une nuit, évidemment. On a Manic 5, le génie québécois, le grand barrage extraordinaire à aller visiter. C'est un 4 jours, 3 nuits. Et ce qui est le fun, c'est qu'on y va en autocar VIP exclusif. Alors ça, c'est le confort total. Vraiment. Donc, ensuite, on a plein de petits forfaits, 3 jours, 2 nuits. On a un retour aux sources chez les Augustines. Si vous avez vécu une année éprouvante, c'est vraiment la place où aller. Vous allez avoir des déjeuners en silence, des marches, la méditation. C'est vraiment là, si vous en avez eu des difficiles... Ras-le-bol, c'est ça. Si vous en avez ras-le-bol, c'est là qu'il faut aller. 3 jours, 2 nuits. Vous pouvez même dormir dans les chambres authentiques des Augustines ou dans les contemporaines qui ont été rénovées. Donc, c'est vraiment génial. On a le Saguenay, évidemment, et l'Esprit du Fjord. Ce que vous connaissez peut-être pour les fabuleuses histoires du royaume, maintenant, c'est les fabuleuses histoires de l'Esprit du Fjord. C'est un spectacle réinventé qui va se faire à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, c'est vraiment... c'est un nouveau spectacle. Ça va être génial. Aussi grandiose que celui d'avant, en allant aussi au Saguenay. On va aller faire le tour du lac Saint-Jean. On va aller à Québec et à l'île d'Orléans. Moi, l'île d'Orléans, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Les fraises. Lui, il parle des fraises. Mais on va aussi à la maison Cassis, Mona et Fille. On va au musée de la vieille fromagerie Perron. On va manger du chocolat. Donc là aussi, on se régale quand même. Donc, c'est vraiment des beaux forfaits. Puis, vous ne partez pas juste une journée. Donc, vous avez le temps vraiment de vous reposer pendant 3 jours. Donc, ça, c'est vraiment super. Ensuite, on embarque dans des forfaits de plus grande envergure. Donc, on va aller en Abitibi-Témiscamingue. Pour ceux qui ont été aux rencontres, on en a parlé avec Guillaume Travers. Donc, c'est un beau voyage de 6 jours, 5 nuits en autocar VIP. On va voir les mines. On va à Val-d'Or. C'est vraiment génial. La mine canadienne Malartic. Donc, c'est vraiment la vie des mineurs, la route des explorateurs, la vie sauvage, le refuge Pajot, donc c'est vraiment le fun. Ensuite, on a la Gaspésie que vous connaissez tous. On fait les incontournables de la Gaspésie. Donc vraiment, c'est le temps d'en profiter avec les 25% qui ont été offerts par le gouvernement. Donc, on espère vous y voir. Et évidemment, les îles de la Madeleine, ça va apparaître dans un instant. Moi, c'est mon endroit préféré au monde. Alors, je vais être honnête avec vous. Vraiment, j'en parle tout le temps. Alors, allez-y si vous pouvez. On en a un en autocar, on en a un en avion. Celui en autocar est un peu plus long parce que c'est plus long s'y rendre. Celui en avion, un peu plus court, mais on arrive beaucoup plus rapidement. Alors, c'est quand même à peu près le même temps là-bas. On voit Havre-Aubert, Cap-aux-Meules, Havre-Maison, toute la poissonnerie, les ports, les églises, les buttes. C'est vraiment, allez-y.
Je n'ai que de beaux mots, que des éloges à faire aux îles de la Madeleine. Ensuite, on arrive dans notre section plus Canada, on sort du Québec. Donc, il n'y a plus, évidemment, le 25 % de rabais du gouvernement, mais quand même, c'est le fun d'aller un peu plus loin. Donc, on a des casinos 2 jours, 1 nuit, Casino Grey Rock. On a aussi l'Acadie et l'île du Prince-Édouard. Donc, ça aussi, vraiment belle région. C'est le fun, c'est le bord de mer, c'est le bord de l'eau, c'est le village acadien. C'est vraiment génial là aussi. Nouvelle-Écosse et l'île du Cap-Breton, les paysages sont fabuleux. Vraiment à aller voir. C'est des voyages qu'on a chaque année, mais là, vraiment, on met l'emphase là-dessus parce qu'il faut rester au Canada cette année. En tout cas, on va se concentrer là-dessus. On a ensuite Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ça, c'est le fameux voyage qu'on a eu aujourd'hui. Quand on va réinviter tout le monde tantôt pour les promotions, vous allez voir, on a des belles promotions pour ce voyage-là. Donc, il va y avoir un rabais, il va y avoir un tirage. Donc, ça va être vraiment génial. C'est un 13 jours et 12 nuits. Donc, vous avez amplement le temps de voir tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, très beau forfait. On a la baie Georgienne, vous le connaissez sûrement, on y va très souvent, donc on a des belles croisières dans des bateaux à fond de verre, on a des croisières dans le parc marin national Fathom 5 qui est extraordinaire, on part de Kingston, on finit à Ottawa, il y a plein de belles activités, donc 7 jours, 6 nuits, là aussi une belle grosse semaine à la baie Georgienne, c'est le fun. On a le fameux Niagara Falls, si ça vous tente pas de partir trop longtemps, 7 jours et tout ça, là ça c'est des 3 ou 4 jours, vous voyez les chutes. C'est quand même un incontournable à voir au Canada. C'est un joyau de notre pays, là, les chutes Niagara, vraiment. Donc, à aller voir, surtout illuminé le soir, il paraît que c'est extraordinaire. Je ne l'ai pas vu encore, je compte y aller. Donc, on a l'Ouest canadien aussi avec les Rocheuses. Évidemment, ça, c'est aussi un incontournable. On en a parlé. Pour ceux qui ont été là à toutes nos conférences, vous avez eu de la belle information là-dessus. Même chose pour le Yukon. Alors, c'est vraiment nos vedettes, sur lesquelles on a eu des conférences. Donc, des 13 jours, 12 nuits, 12 jours, 11 nuits. Donc, c'est des bons gros voyages. On a le temps de le voir. On part en avion. Donc, c'est moins long pour la route. Donc, on a des vols. On y arrive plus vite. On a le temps de voir plein d'affaires là-bas et on revient en avion. Donc, c'est sûr que c'est le fun quand on y va en autobus aussi pour voir la route, les chemins. Mais là, si on veut passer plus de temps, on y va en avion et c'est génial. Et pour finir, l'île d'Anticosti qui est extraordinaire, vraiment. C'est un petit voyage avec un petit groupe. Pour ceux qui demandent pour la marche, c'est un voyage où on marche un petit peu plus, comme vous pouvez voir. Il y a un petit soulier à côté de l'avion. Faut se munir de ses souliers de marche. Il y a des belles randonnées. C'est vraiment la façon de découvrir l'île d'Anticosti. C'est un peu plus à pied parce que les randonnées sont extraordinaires. Les chutes, les paysages, les animaux, vraiment, c'est à voir. Un 6 jours, 5 nuits. Il y a un guide, un garde-parc naturaliste là-bas qui vous attend directement là-bas pendant 3 jours. Donc, lui, il connaît sa place, il vous accueille, vous logez dans une belle auberge sur le bord de l'eau, vraiment à voir. Et finalement, Manic 5 et l'archipel de Mingan. Et si je ne me trompe pas, c'est les mêmes petits oiseaux dont on a parlé, là, qu'on voit sur l'image, là, si je me trompe pas, avec un beau transport en autocar VIP, donc grand confort. Vous voyez plein de belles choses. Vous avez des traversées, évidemment, Tadoussac, Matane. C'est la place pour prendre des petits bateaux sur le bord de l'eau. Alors, c'est ce qui met fin à notre belle brochure. Donc là, ici, on a évidemment la publicité de la FADOC qui va apparaître dans un instant, qui a été un fier partenaire d'Expression Voyage pendant toutes ces conférences-là, ainsi que nos conditions générales qui s'y retrouvent et la page de fermeture du voyage. Donc, pour retrouver cette brochure-là, vous allez en fait la recevoir dans notre infolettre pour ceux qui veulent s'inscrire, ou vous pouvez aller la retrouver sur notre site Internet. Ouais. Donc, c'est ce qui met fin à Est-ce que tu nous mets le lien pour la brochure? Je pourrais faire ça. Ouais, hein? C'est une bonne idée. Ça serait pas pire. Écoute, je vais faire ça. Donc, j'arrête de partager. Merci. Très belle brochure. Bravo merci à tout le monde qui ont travaillé sur la brochure. Merci, ça donne le goût de travailler encore plus. Alors, juste avant que tu mettes avant que tu mettes la brochure, je te demanderais de réinviter les gens, justement. Donc, on va réinviter Aurore, Normand, Mme Roberge, M. Tessier, pour qu'ils puissent annoncer, dans le fond, la surprise avec nous. Donc, est-ce qu'ils sont de retour?
J'ai Normand, oui. J'ai Philippe, j'ai Aurore, il ne me manque que Sylvie. Ah. Ah, elle est là. Tout le monde est là. Ben, Normand, on a déjà parlé un petit peu, hein? Donc, premièrement, Expression Voyage organise un départ vers Terre-Neuve du 27 juillet au 8 août 2022. Et puis, pour l'occasion, on vous offre une super promotion de 250 $ de rabais par personne. Pas par couple, là. Ouais, par personne. Qui est valide pour 72 heures seulement et exclusive aux membres de la FADOC. Donc, encore une fois, allez vous inscrire sur le site de la FADOC. Ça vaut la peine. Yes, donc je vous envoie à l'instant le lien vers la magnifique brochure que vous venez de voir. Ouais, donc un gros merci hein, pendant que je vous ai avec vous. On vous remercie pour d'avoir été là avec nous pour toute la saison. C'était très pour Madame Roberge, Normand pour plusieurs, Aurore pour aujourd'hui, puis Philippe pour aujourd'hui aussi. Un immense merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a des beaux voyages en perspective là, qui s'en viennent pour tout le monde, pour les membres de la FADOC. Tout à fait. En espérant que tout le monde soit au rendez-vous avec nous. Ça va être très, 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 très plaisant. J'ai des petites questions qui sont apparues par rapport au prix, si on y va en avion, si on a des départs de Repentigny. Je vous invite à appeler au bureau à l'agence de voyage. On est ouvert là, toute la semaine, je crois, du lundi au jeudi de 9h à 16h. Vous pouvez appeler, on a des gens qui vont vous répondre. Pour les questions techniques comme ça, ils ont toute l'information. C'est aussi sur le site Internet et sur notre brochure. Mais n'hésitez vraiment pas à nous appeler. Ils sont là pour vous, donc je ne répondrai pas maintenant, mais appelez-nous puis on va vous répondre. Puis, Madame Robert, j'imagine qu'il y a aussi des moyens de contacter la FADOC si les gens ont des questions, là, soit pour s'inscrire ou... Ah, tout à fait, Marc-André. La FADOC est toujours là, malgré là, qu'on était en télétravail. On entre au bureau tranquillement. Le 819-752-7876, tout est sur le site Internet. Vous allez pouvoir rejoindre tout le monde. Puis j'ai le goût de vous dire aussi, on dit que la mission de la FADOC, c'est la défense des droits collectifs, c'est la mission loisir aussi. Nous avons deux routes très fortes. Alors, vous comprenez le partenariat avec Expression Voyage. Ce qu'on veut, c'est la découverte. Alors, il faut pas attendre trop tard pour aller se faire plaisir dans la vie. C'est maintenant que ça se passe. Vous avez fait une offre extraordinaire avec la brochure et avec toutes les rencontres qu'on a fait hein, depuis déjà quoi presque 2 mois qu'on a fait les vidéos à chaque 2 semaines. C'est vraiment extraordinaire. Merci Expression Voyage de nous rendre le monde si beau et surtout de le faire dans la sécurité de nos membres FADOC et des visiteurs qui sont les vôtres. C'est vraiment génial. Que du plaisir. Merci encore. Je pense qu'on se retrouve à l'automne. Ben, oui, mais c'est avant ça, hein? Moi, j'ai une autre surprise. Pour, oui, attendez. Il y a eu une belle promotion qu'on vient d'offrir de 250 $ par personne de rabais pour Terre-Neuve, mais aussi les 10 premières personnes à s'inscrire au voyage de Terre-Neuve en 2022 vont recevoir, roulement de tambour, ce magnifique sac de 100 $ qui est génial, ma foi. Moi, je l'ai découvert hier. Ça peut vous faire un sac à dos, ça peut vous faire un sac en bandoulière. Il y a 250 pochettes là-dedans, je suis sans mots, sur le côté, en avant, en arrière, à l'intérieur. C'est vraiment le parfait sac de voyage avec notre beau logo en bleu et en blanc. Donc, les 10 premières personnes à s'inscrire vont recevoir ce magnifique sac d'une valeur de 100 $. Alors, en plus de devoir d'avoir un 250 $ de rabais par personne, il y a ce sac-là pour les 10 premiers. Alors, moi, je me garocherais si je t'ai dit. Et M. Tessier avait une dernière petite nouvelle pour l'automne prochain, je pense. Est-ce que ça se pourrait? Qu'on revienne. M. Philippe. En septembre. Êtes-vous Bonjour. Avec... Ben, on revient-tu? Oui, en septembre, par hasard. Certainement. On est super content de vous annoncer qu'on revient en septembre. Avec une nouvelle programmation, plein de nouvelles destinations. C'est vraiment génial. On est vraiment heureux de voir ça. Et fait que oui, on est content. Puis ça va être la fin avec nos deux animateurs, nos couples voyageurs. On va être là. Yes, on va être là. Ben, un immense merci à tout le monde. Vraiment. Merci d'avoir été là aujourd'hui et toute la saison, si vous avez été là toute la saison. Ouais. Ça a été un immense plaisir. Ouais. On se revoit dans quelques mois. Passez un très Environ bel été. Environ 4 mois. Ouais. Oui, profitez-en, reposez-vous. Et on se revoit en force. On se revoit en force, exactement. Alors, merci tout le monde. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci.
Bye-bye.